Bonjour à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Spider-Man et ça y est, il semblerait que j'ai débloqué les missions secondaires, c'est pourquoi on se retrouve. J'ai joué juste une petite heure supplémentaire hier, histoire de débloquer davantage de choses. Bonsoir. L'inspecteur Speeder observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. La deuxième tour. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non! Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Speeder. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. N'importe quoi. Ça, c'est cool de retrouver l'humour qui est propre au jeu, propre au personnage surtout. Et franchement, pour le moment, du peu que j'ai vu, c'est magnifique. Regarde-moi ça, c'est trop beau. Hier, j'ai fait une ou deux missions, je me suis promené et j'ai été la voir et elle nous a confié le piratage de certaines antennes. Et ça nous indique après l'emplacement de certaines personnes en difficulté. Donc là, c'est la continuité. Le soleil commence à se coucher. Là, la vidéo découverte, je l'ai envoyée, mais elle n'est pas encore disponible. Bon, en parlant de l'antenne, on va aller la décrypter. Pour détecter plus que des crimes. Ouais, et là, le but, c'est de... Tu vois, il faut faire le même motif quand... Je sais pas si on a eu le temps de bien voir. Mais la ville, elle est belle. L'eau est belle, t'as des bateaux. J'ai vu un bateau qui passait à côté de moi. Les mecs, ils étaient debout et les jambes étaient un peu buggées. Maintenant, toutes sortes de radios identifiantes, dont un juste là. On va aller voir ça de ce pas. Ça te dit, je te montre rapidement l'eau. Parce que là, je t'ai dit qu'elle était jolie. Ah, c'est pas le côté où il y a le soleil qui se couche. Mais quand je suis en mission comme ça, je crois que je peux pas aller bien loin. Parce qu'hier, j'avais commencé, je voulais aller... Oh, pardon, aller me promener. Et ça me marquait que j'allais quitter la zone. Eh, qui sait que se dire ça sur moi? Mais t'as également un mode photo, à tout moment, tu peux le mettre, t'as des effets. Et ça rend bien, en plus c'est assez rapide, c'est instantané, t'appuies sur start, tu fais mode photo, et voilà, c'est fait. C'est bien. Et ça, si c'est pas photoréaliste, la lumière. Ma mission, ouais, c'est une sorte de sac, on va voir ça. Go! On arrive! Et même la fumée, c'est une vraie claque graphique. C'est une claque graphique pour moi. Il y a même un hélico, il y a des détails de partout. Ça fourmille de détails de partout. Hop. Et où c'est que t'es, monsieur le sac? Il est juste là. Ouais, vas-y, j'arrive. Qu'est-ce qui nous attend cette fois-ci? T'es un peu plus bas. Salut. Wow. Un des vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Il y a combien de sacs à dos, ce mec? Trouver des sacs à dos pour gagner des jetons de sacs à dos à utiliser pour améliorer votre équipement. Ah ouais, je suis ici. Regarde la taille. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les Spider-Man, les choses... Toujours là? Les collectibles. L'inspecteur Speeder se charge. Mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Elle en peut plus. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Ah ouais, mais moi, j'en peux plus de cette esthétique. Ah, je suis juste à côté, ça tombe bien. Nous allons nous faire un peu de combat. L'inspecteur Spider est là pour vous. Secourir. Ouvre le coffre, allez. Hé, hey, salut. Spider-Man, tue-le. Allez, c'est parti! Bonjour! Oh, l'autre, il se barre! Et reviens! T'es parti où? T'as cru que t'allais te sauver comme ça? Qu'est-ce que je vais faire sur toi? Comment je peux te tuer, toi? Hop, reviens! Ah, hé! Lui, il a cru qu'il allait se sauver de cette façon. Attends, je vais faire ma technique. C'est terminé. C'est pas terminé! Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous n'auriez pas besoin d'être criminel. Ah, j'ai pas trop appris encore énormément de combos vu que la découverte s'est passée que quelques heures avant. Mais... c'est le kiff. C'est bon. Tout va bien, monsieur. Oh. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer? J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, oh, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre.
Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Spider, l'infatigable... Yuri ? Yuri, vous êtes là ? Ah, tu as raccroché. On a dû être submergé par l'émotion du moment. N'importe quoi. J'aime beaucoup cette petite touche d'humour. Ça fait du bien. Dans un monde peuplé des méchants. Maintenez L2 pour viser. Ah oui, pour faire ça. Bon bah, j'espère que ça va aller aussi vite que tout à l'heure. Attends, encore un petit moment. On regarde un peu ça. Je fais rapide, hein, parce que hier j'ai pris tellement mon temps à regarder. Mais c'est fou quand même. C'est vraiment un truc de fou. Bon, est-ce que ça ira aussi vite que tout à l'heure? Moi je dirais que comme ça, on y est presque. Eh, c'est bon là? Ouais. Oh, niveau supérieur, je vais avoir des points de compétences que je vais pouvoir attribuer. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Bienvenue au club. Des mecs qui ont trois poils. J'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Ouais, parce que je l'ai rencontré hier. Ça sera plutôt la quête principale, donc on va peut-être pas le faire. Est-ce qu'il y a une mission? Oh, un sac. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ouh. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Ouais, parce qu'on était dans son labo. L'expert. Pour élever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Ouais, l'expérience a mal tourné. On va récupérer un autre sac. Il avait que ça à faire. Oh, j'ai une peluche. Jetons de sac à dos pour afficher. Une spider peluche. Waouh. Un fabricant de jouets a créé ce prototype, mais pour ça, il faut que je lui cède les droits. Elle est trop mignonne. Je peux pas être payé sans. Ah mince. Pas être payé sans révéler mon identité. Ah, ça c'est bête. Ah, j'allais quitter sans qu'il termine l'explication. Ah, c'est rigolo les tags. Et un truc qui est vachement cool, c'est que dans les bâtiments, t'as un effet de profondeur. Regarde, c'est plus juste un papier peint comme on pouvait l'avoir. Dans les jeux précédents, dans les jeux qui sont sortis il y a quelques années. Et du coup, ça rajoute vraiment une sensation de vie, une sensation de profondeur dans chaque building, dans chaque bâtiment. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est là-bas? Non, ça, c'est la mission principale. Comment ça se passe? On va arpenter un peu la ville et on va voir s'il y a des méchants. Sinon, on peut faire, pourquoi pas, un peu de quête principale. Sans trop spoiler. Oh, regarde la grue, là. C'est normal, ça? Ouais, ça semble être normal pour eux. J'ai peur juste que ça tombe. Il y a plein d'antennes. On va se faire une autre antenne au pire. Comme ça, on aura peut-être des méchants à affronter. Elle était où? Elle est juste là. Elle est pas très loin. Et t'as pas mal de toits aussi qui sont modélisés avec des gens qui font des trucs. Les civils sont piégés dans leur véhicule à la suite d'un grave accident. Où ça? Rendez-vous dans le nord d'Houston. Terminé. Ah, mais c'est pas affiché peut-être tant que j'ai pas débloqué l'antenne. Attends, on va faire ça. On va aller faire l'antenne. Et après, on va peut-être pouvoir aller les libérer, les aider. Parce que là, même si j'utilise mon sens... Ça s'indique pas. Oui. T'as tellement une sensation de liberté dans Spider-Man à chaque fois. Une sensation où ouais, tu peux aller où tu veux, que t'es trop balèze. Alors qu'en fait, t'es juste derrière là avec ton pyjama. Et bidouillons ça, qu'on aille sauver le monde. Et vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, parce que moi, je suis chaud pour vous en faire plusieurs, vu comment... Là, je prends mon pied. Alors, bah mince. Je trouve pas. Oh, 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 ça y est, il y a un dialogue, là. Et en fait, t'appuies sur les deux gâchettes en même temps, et quand tu restes appuyé sur quoi, ton bonhomme, il refait un petit bond. On va leur faire une petite surprise. Salut, les mecs. New York sans ces trafiquants de drogue. Comment ça va, aujourd'hui? Oh, oh, punaise, vous semblez être armé, là. Je suis pas un gros fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. On va essayer de pas se faire toucher, le combo est en haut à gauche. Là, je suis à 8 sans me faire toucher une seule fois. Ouh. Oh! Allez, viens, mec! Oh non! J'ai failli mourir. Oh là là! Est-ce que. Tiens, on va finir comme ça. Et voilà! Lancer trois objets sur. Ah mince, j'ai pas lancé les trois objets. Ils sont tous. Oh non, il est pas mort! Oh la chance! Et voilà! Ah, j'avais pas vu l'objectif bonus. C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Ouais, oh punaise, tous les billets! Avec ça, je pourrais m'acheter un autre costume qui a pas de trou. Vous verrez, c'est celui avec les lumières bleues et rouges qui clignotent. N'importe quoi. Ça, on peut décrocher ça?
Ah ouais, cool. Et l'autre, il est assis, la pépère, normal. Elle est assise, pardon. Excuse-moi, je voulais pas t'offenser. Tiens. Oh, elle a réagi. Elle a réagi. On peut faire des émotes dans le jeu, je crois qu'on peut interagir avec les bonhommes. Je sais pas encore. Oh, ah bah voilà. Salut. Voilà, on a notre réponse. C'était trop bien, on a bien rigolé. Et ça me fait gagner de l'XP en plus. Oh bah, c'est tout gagné. Ouais, on y va. On y va, ils sont juste en dessous de nous. Spider-Man est là pour vous servir, pour vous. Il y a une agression en cours. Il faut que je les arrête. Bah si je me... Ah mince, c'est pas trop ça que je voulais faire. C'est... Oh mince. Je rends les coups. Ouais. Oh. C'est pas trop ça que je voulais faire, je voulais arriver en... comme on avait fait. Tu te mets en haut et t'appuies sur carré pour l'attaquer. Ah ouais, attends, je vais faire ça. Oh, ça c'est trop bien. Attends, non. Sur le mur. Ya. Yeah. Ça c'est excellent. Oh. Attends. Oh. A plus. C'est bon, tu es libre. Ou non, il y en a encore un. Ah, faut que j'aille en bas. Il est où? Ah bah. Coucou. A plus. C'est bon, t'es libre, mec. Qui c'est qui ose m'embêter? J'ai pas un truc à te balancer là quelque part. Ouh! Est-ce que d'ici. Oh fuck, t'étais pas au bon endroit! Tu sais, j'adore étaler des petits. Ah non, j'ai oublié de lancer les objets. Ah, faut que je fasse ça à chaque fois, mince. Ça va mieux? Ouais, mais peut-être pas ta tête dans mes aisselles quand même. Bon bah, ça a l'air d'aller mieux. On est où ici? Pardon! Oh, d'habitude, pardon! Je suis plus haut! Ouais! Ça va et toi mon pote? Oh oui encore, vas-y viens on fait un truc. Boum. Piou piou. Ah ouais. Je suis un vrai gamin. Je suis un grand gamin, un gosse. Il y a tout ce que j'aime quoi. La liberté, le monde ouvert, plein de population. Vas-y si tu veux. On y va. Dis-moi où c'est, j'y vais. Éliminer les malfrats. Ouais, je veux bien, mais c'est où? Ah, c'est là. Mais il semblerait par contre que les missions secondaires soient assez répétitives au bout d'un moment, c'est ce que j'ai lu. On verra bien. Mais j'ai un souvenir de... C'était peut-être Spider-Man 2 où c'était très redondant au bout d'un moment. Mon petit doigt me dit coucou. Que j'en habite pas ici. Fisk disparaît et soudainement c'est la foire du crime. C'est ça. Il avait peut-être raison en fait. Oh. Oh. Il est tombé. Entoilé. Oh, il faut que je les entoile. Attends. Attends, 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 j'en ai plus. Je vais essayer de faire les objectifs quand même. Aouh. Fallait que je lance aussi peut-être des objets sur les mecs. Mm-hmm. Encore un autre. Qui veut? Toi? Oh ouais, là, je peux lui le mettre. Eh ouais. Et toi? Entoilé. Ouais. Attaquer trois ennemis par derrière. Ah ouais, par derrière. C'est comme ça. Ouais, nickel. Je vais le faire toi aussi. Par derrière sans le tuer si possible. Et venez près du bâtiment les gars. Toi t'es bon pour le mur. Oh. Allez, dégage. Dégage toi aussi. Wouh. Je me suis accroché où là? Oh non. Pas mal le combo. Oh, oh je m'amuse. Et voilà. Finish. Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. On va où maintenant? Tu vois, j'aimerais... Ah, tu vois cette grande tour là-bas? J'irais bien faire un petit saut, voir à quoi ça ressemble. Et si on a des interventions sur la route? Eh ben, on n'ira pas. Parce que je suis un super-héros feignant. Tiens, on va se faire un petit défi. On va essayer de passer sous l'arcade, sous la porte. Ouh! Bonjour! Regarde-moi le monde qu'il y a. Ok. Va tenir au barque un algorithme qui peut prédire l'itinéraire des kidnappeurs. Ah bien. Ah ça peut être pas mal. Ouais, ils sont juste en... Je crois qu'on a un gagnant. Oh il est dans le coffre. Je cherchais où il était. Allez. Coucou. Tirez-vous un peu. Oh mon dieu, merci. Je hais les espaces confinés. Les voilà. Ils vont me remettre là-dedans. Non, moi je veux pas non plus. Lancer objet sur ennemi. Trois ennemis à un mur. Encore. Attends, me tape pas. Hop. Oh. J'ai fait un petit strike là. Qui veut ça?
Tiens. Oh, attends. J'ai envie de refaire quelques combos là, j'ai bien aimé tout à l'heure. Oh mince. Oh non, je vais crever. Oh punaise. Oh. Comment j'ai fait tout à l'heure? Attends. Bon, attends, là, je vais crever. On fera peut-être pas tous les objectifs. Oh. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment je le fais encore. Ouais, il y en aura pas assez d'ennemis. Sauf si on a d'autres qui arrivent après. Allez, va là-bas. Allez, recharge, 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 recharge. Oh, je l'ai eu. J'ai fait. Et il reste deux ennemis. On tente ou quoi? Va là-bas. Ouais. Oh, ouais. Le dernier, on se le fait. Ah oui, contre l'arbre, contre l'arbre. Oh. Pas de la balle. Pas de quoi, c'était un plaisir. Un type dans un coffre. Je sais que je le dis souvent, mais on voit ça qu'à New York. C'est pas faux. Ce que je te propose pour terminer cette vidéo, on va aller en haut de la tour. On va aller en haut de cette grande tour, voir ce qui nous y attend. Et voir surtout la belle vue. On n'est pas bien là dans les rues de New York. Franchement, c'est le psy. Désolé, je viens pas. J'ai building aujourd'hui. Oh. Et là, ça peut faire bien. Regarde, tu fais mode photo. Regarde ça si ça déchire pas. T'as moyen de faire des superbes photos. Allez, on quitte. Nous, on a la hauteur du building. Ça veut rien dire. On va en haut. Ça y est. On y arrive. On y arrive. Oh. Si tu m'as connu des jours meilleurs, je crois que je peux l'arranger au labo. Ouais. Et si tu appuies sur cette touche, tu peux te poser. Et admirer le paysage. Et là, on n'a plus de musique. C'est juste nous. Le son du vent, la solitude. Eh, hey, mais c'est pas photoréaliste, sérieux. Franchement, j'aurais jamais cru un jour voir un truc comme ça, quoi. Et là, dans 5-6 ans, les gens qui regarderont cette vidéo diront « Oh, mais mec, c'est moche par rapport à ce qui se fait maintenant. » Bah, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura dans 5-6 ans, parce que là, franchement, la barre, ils l'ont mis vachement haute. Bon, on fait quoi? On se fait un petit saut? Trop bien. Trop bien, les mecs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo, soit sur Spider-Man, soit sur un autre jeu. On verra bien. Merci à tous. Et à bientôt tout le monde. Ciao. Bye bye.